Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Adopt Me. Je sais que l'update pour l'instant c'est encore la Lunar New Year, mais vous savez que c'est bientôt la Saint-Valentin et j'ai bon espoir qu'Adopt Me fasse une update pour la Saint-Valentin. Ils l'ont fait il y a 2 ans. Je crois que l'année dernière il n'y en a pas eu pour 2020. En tout cas, ben non, parce que j'ai joué et il n'y en avait pas. En tout cas, en 2019, il y en a eu une. Et j'aimerais vraiment, vraiment qu'ils en fassent une à nouveau cette année. Ça nous ferait du bien à tous. Pour préparer cette vidéo, j'ai fouillé partout sur YouTube. J'ai regardé sur Internet pour avoir voilà, plus d'idées encore, de choses à vous proposer. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas bien sûr à liker si elle vous plaît, à vous abonner si mon contenu sur ma chaîne vous plaît également. Et puis pour être prévenu des prochaines vidéos. Et à commenter en dessous. Voilà, je vais vous raconter des petites choses. Et donc, n'hésitez pas surtout à réagir, à m'apporter plus d'informations, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez hâte, vous, qu'il y ait une update de Saint-Valentin, si vous avez très envie en tout cas, parce qu'on ne sait pas encore s'il va y en avoir une. Et tout ça, en ajoutant votre pseudo de Roblox. Vous avez vu que en début de vidéo, je donne des Robux. Avant de commencer la vidéo, comme chaque fois, vous avez l'habitude maintenant, je distribue des Robux aux commentaires des vidéos précédentes, de la vidéo précédente. Je vous remercie les chouchous pour les super gentils commentaires que vous me laissez chaque fois. Alors d'habitude, je mets moins de je mets moins de gagnants, mais là, ben, j'avais envie, ben, c'est comme ça. Le groupe a gagné pas mal de Robux, vous le savez, avec la vente de certains vêtements. J'en ai mis d'autres, des nouveaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Ils ont été créés par des chouchous. J'en ai mis un aussi qui coûte un peu cher, c'est pour les personnes qui ont des Robux et qui voudraient aider, soutenir le gang et donc soutenir ma chaîne. Donc ça, c'est très gentil. C'est un vêtement à 143 Robux pour que le gang récupère 100. Vous savez que Adopt, pas Adopt Me du tout, Roblox en prend une petite partie. Donc voilà, donc il en reste, il coûte 143 Robux, mais il n'en reste que 100 entre guillemets. C'est pour récompenser un concours qui est à venir à la chaîne. N'oubliez pas que le mercredi, je fais une vidéo Roblox. Roblox Tube Info, ça c'est tous les mercredis depuis début janvier. Et je vous prépare d'autres vidéos sur la thématique de la Saint-Valentin. Je vous prépare d'autres ben, d'autres choses. Hein. J'ai plein 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 d'idées. Je manque juste un petit peu de temps. Mais je me dépêche pour vous faire des vidéos. Allez, on commence. Je distribue. Hop, 5 Robux à 10 chouchous. Et on va se lancer vers la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si vous avez joué à Adopt Me depuis longtemps ou pas, mais en tout cas, l'update de 2019, voilà, se présentait comme ça avec, je vais vous les montrer, la poussette cœur, le ballon, les petits ballons. Et puis, il y a un item que je n'ai pas. Alors, attendez, je vais avancer un petit peu parce qu'elle va montrer un truc. Voilà, donc il y a le petit ballon, la peluche, et ça je l'ai pas, c'est un hochet cœur. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu, j'ignorais que ça existait, et bien voilà, ben, trop tard, j'arrive pas à avoir tous les trucs d'Adopt Me, c'est assez compliqué. Et puis le hoverboard cœur, je sais pas si vous l'avez, c'est un petit, c'est même pas un skate quoi, c'est vraiment le hoverboard sur lequel on se déplace et ça fait des cœurs sur le sol. Et puis là, potion cœur, ça c'est une potion dont je vais vous reparler parce que j'ai une vidéo à vous faire sur les potions parce que ben, c'est le drame. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, c'est la vidéo spéciale sur l'update d'Adopt Me, l'update de la Saint-Valentin, une update qui n'a pas été annoncée, mais on espère très très fort qu'elle va Je vous montre arriver. des extraits de cette vidéo, vraiment je l'ai trouvée fabuleuse et j'avais super envie de vous montrer ça. C'est une chaîne qui s'appelle The Box Quiz et qui montre des idées pour l'update d'Adopt Me. Ça a été posté le combien on est? Tiens, on est le 9, donc ça a été posté hier. Et je l'ai trouvé un peu par hasard. Vraiment, je trouve ces idées vraiment géniales. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner. Moi, en tout cas, c'est fait. Je me suis abonnée à lui parce que ces idées sont super bonnes. Donc il propose un mini-jeu. Donc il faudrait ramasser des roses pour pouvoir gagner, comme vous voyez ici.
Dans un reward shop, on pourrait gagner un bouquet de roses, des chocolats, une carte de Saint-Valentin qu'on peut envoyer en suivant, bon, des ballons, ça c'est déjà des choses qu'on a. Alors je sais pas, je vous passe un peu pour que vous alliez voir parce que je veux pas tout vous montrer. Un arc de Saint-Valentin, une bague évidemment pour pouvoir faire une demande en mariage. Et puis il donne ensuite des idées de d'œufs, enfin de pets, voilà, dans lesquels. Bon, alors, les idées de pets sont pas ouf. J'ai trouvé d'autres trucs plus sympas. Je vais vous les montrer juste en suivant. En tout cas, voilà, sa chaîne à lui est vraiment, vraiment chouette. Alors, regardez par exemple. Oh, j'enlève la pub. Regardez par exemple ce petit Cupid dragon. C'est un dragon Cupidon. Ça, c'est marrant. Alors, toutes ces vidéos-là, vous allez pouvoir les trouver. Regardez, on a machin, vous a envoyé une carte de Saint-Valentin. Ça serait trop chouette, ça, j'adorerais. Franchement, génial. voilà, donc toutes ces vidéos, vous les trouvez dans une playlist. Je vous mets en barre d'information, donc ici en haut. En haut, ça va être plutôt bah, tout en haut à droite là, de la vidéo. Je vous mets un lien vers la playlist qui renvoie vers les vidéos que je vous montre là, en ce début de vidéo. L'année dernière, Christine Plays a fait un photo booth. Voilà une activité qui pourrait être super sympa, se prendre une petite photo de Saint-Valentin. Alors là, il faut build, hein, ben, je laisse sa vidéo parce que moi, j'ai pas pris le temps de le faire. Alors pareil à Christine, je l'adore. Je suis abonnée sur un autre compte parce que sinon, je reçois trop de vidéos. Elle fait beaucoup de vidéos chaque jour. Mais voilà, donc je regarde quand même. Je suis sur son Discord, donc je regarde ses vidéos et elle est vraiment, vraiment géniale. Une Je autre qui l'adore. fait des super builds, c'est Sugar Coffee. Voilà, elle fait des super vidéos de construction. Donc ça, c'était pareil. C'est l'année dernière. Je pense pas qu'elle en ait refait cette année. Je suis pas sûre puisque Adopt Me n'a pas encore, en tout cas, annoncé une update. Mais voilà, je vous passe juste un petit extrait de sa vidéo que vous trouvez en barre d'information. Alors ça, Bon. c'est une chaîne que je ne connaissais pas et je la découvre en fait avec cette thématique de la Saint-Valentin, avec, regardez, un lit avec plein de fleurs dessus, c'est super mignon. Une baignoire remplie de fleurs. Je sais pas, si vous avez envie de faire du build un petit peu pour la Saint-Valentin, alors j'ai pas trouvé grand-chose cette année, tout ça c'est l'année dernière, à part les idées que vous avez eues au début là. Sinon, tout le reste, c'est build là, c'est de 2020. J'ai pas trouvé cette année, donc c'est un peu bizarre. Peut-être que les gens n'ont pas envie de fêter la Saint-Valentin. Bon, ça serait dommage. En tout cas, si vous avez envie, eh bien, vous pouvez vous inspirer de leurs Ici, idées. nous avons à nouveau des petites idées. Je trouve ça trop mignon, des petites idées de pets pour l'update. Et regardez-moi ce petit cœur là, ici. Je sais pas si vous avez vu. Ah! Voilà, qui serait un pet commun. Ah, oh, c'était trop, trop mignon. Regardez parce que la vidéo elle passe super vite et du coup, ben, j'ai même pas eu le temps de vous le montrer. Ici, cette vidéo, pareil, elle présente des idées de pets. Voilà, pour l'update. À mon avis, quand même, ça, il n'y en aura pas. C'est un peu trop compliqué à faire, les pets. Mais pourquoi pas des petits objets, des petits jouets. Ça pourrait être vraiment super. Et puis, une potion pour le pet, voilà, qui lui donnerait du bonheur, parce qu'on aime nos pets. Soit une potion, peut-être, pour à nouveau la potion cœur, je sais pas, parce que il n'y en a pas eu beaucoup. Enfin, il y en a eu beaucoup à ce moment-là, mais il n'y en a pas eu tant que ça finalement. Voilà. Donc il y a eu des vidéos aussi pour avoir des idées pour s'habiller. Je passe un peu rapidement parce que ça, ben, vous allez sans doute aller chercher et puis je vais le faire dans la vidéo. Soit celle-ci, si elle n'est pas trop longue, soit une autre juste après que je publierai là rapidement, hein, dès que je peux. Et voilà, donc comment s'habiller pour la Saint-Valentin? À nouveau, une personne qui imagine qu'on peut envoyer du courrier. Ça serait vraiment un truc qui me ferait super plaisir. On parle de bonbons, on parle de pets dans des œufs. Voilà, et des arbres roses un petit peu comme pour le printemps au Japon. Voilà, des fleurs de pruniers, de cerisiers qui sont ben, dans certaines régions. Moi, en tout cas, chez moi, il y a certains arbres qui ont des belles couleurs, de belles fleurs et tout tombe. Et ça, c'est super, super beau. Encore un peu de build avec une table ben, pour deux, hein, puisque pour la Saint-Valentin, on prépare un bon repas à son Et amoureux. pour terminer, évidemment, je ne peux pas passer sans vous montrer la vidéo, enfin un extrait de la vidéo de ma copine Roboxki qui a fait
le 19 janvier, donc pour que vous soyez prêts depuis longtemps, une vidéo Adopt Me Build Saint-Valentin. Allez la voir parce que vous savez, elle fait des builds hyper beaux. Allez voir sa chaîne, il y a plein de petites choses. Elle poste pas hyper souvent, mais en tout cas, quand elle poste, je peux vous dire que ça vaut le coup. Donc abonnez-vous à sa chaîne et allez voir ce qu'elle propose. C'est juste magnifique. Je vous quitte sur ces images. Allez voir cette chaîne, elle est super. C'est ce que j'ai écrit en haut. Je vous dis à bientôt les chouchous, à très très bientôt parce que je vous posterai la suite de cette vidéo demain matin je pense, avant de vous poster le Roblox Tube Info du mercredi après-midi. Si je la poste pas demain matin, ça sera pour jeudi matin, ça c'est possible que je fasse un petit peu comme ça pour étaler un petit peu les vidéos bien sûr, ça serait peut-être une bonne idée la dame d'étaler les vidéos plutôt que d'en mettre deux le même jour et rien pendant 5 jours. Hein ? Je sais que vous êtes contents, ceux qui regardent mes vidéos en tout cas, vous êtes contents de les regarder. Et je vous en remercie, vous êtes vraiment juste fabuleux. Je suis en train de bouger mes trucs en même temps que je vous parle, ça fait super sérieux. Bon, c'est pas grave, c'est ma chaîne, elle est comme ça, vous le savez, c'est un peu le bazar. Le Discord, c'est le bazar, la chaîne, c'est le bazar, tout est en bazar. C'est un peu dans mon tempérament, c'est comme ça. Je vous adore, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager dans les commentaires. Évidemment, ajoutez votre pseudo Roblox pour obtenir les Robux que vous m'avez vu distribuer en début de vidéo. A bientôt les chouchous, salut !